Tout change, tout évolue, sauf les imbéciles qui ne changent pas. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. On a la bauxite à ciel ouvert. On a le diamant à ciel ouvert. On a le pétrole à ciel ouvert. On a l'uranium à ciel ouvert. On a la terre fertile à ciel ouvert. On a le cobalt à ciel ouvert. On a la forêt à ciel ouvert. La pluie est abondante sur cette terre fertile. Mais les cerveaux se sont enfuis. Le capital humain s'est enfui. Le capital humain, le cerveau, le contenu de la tête de cette boîte crânienne-là s'est enfui. On a l'uranium à gogo, la bauxite à gogo. Qu'est-ce qui nous empêche de sortir de cette situation ténébreuse? Qu'est-ce qui nous empêche de nous développer? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de loin? Qu'est-ce qui nous empêche de sortir de cet enfer? Qu'est-ce qui nous empêche au fait? Mes frères et sœurs, n'allez pas loin chercher ce qui nous empêche. La seule et unique raison pour laquelle nous sommes encore derrière, à des années de lumière, des siècles de lumière, de certaines nations aujourd'hui qui disent Dieu merci, c'est tout simplement la qualité du capital humain. C'est tout simplement la qualité du cerveau humain. C'est tout simplement cette volonté politique. C'est tout simplement le sens du patriotisme. C'est tout simplement la ressource humaine, c'est ce qui nous empêche. Aujourd'hui, comme je suis toujours dans les recherches, alors je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur qui parlait de la Malaisie, qui faisait une comparaison de la Malaisie et de la Côte d'Ivoire. Ça m'a inspiré tellement que au final, j'étais envahi, j'étais emporté par l'émotion. J'avais la colère, j'étais envahi par la colère. Le diable a voulu s'emparer de mon âme tellement que j'étais furieux, je suis devenu colérique. Pour vous dire la vérité. En deux ou trois phrases, le monsieur a fait, il a résumé ce qui fait le retard de l'Afrique, le retard de la Guinée, le retard de la Côte d'Ivoire, le retard du Mali, le retard des nations africaines. Vous savez, la vérité, quand on la dit, on est d'accord, ça ne se cache pas. La vérité, le cerveau accepte la vérité, tout naturellement. Et le cerveau, quand il évacue cette vérité, c'est-à-dire les mots pour les dire arrivent aisément, c'est ce qu'on dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Le monsieur nous dit, la Malaisie et la Côte d'Ivoire, ok? La Malaisie et la Côte d'Ivoire sont deux terres similaires, semblables. Ils ont les mêmes climats, ils ont les mêmes géographies, ils ont les mêmes potentialités, ils ont les mêmes ressources. À savoir le café et le cacao. Il dit, mais quand on voit aujourd'hui, en termes de développement, il n'y a pas comparaison entre la Malaisie et la Côte d'Ivoire. Il dit pourquoi? Parce que tout simplement, la Côte d'Ivoire produit, mais la Côte d'Ivoire ne transforme pas. La Malaisie faisait la même chose que la Côte d'Ivoire. La Malaisie produisait, la Malaisie ne transformait pas. Mais à un moment donné de l'histoire de la Malaisie, un homme s'est révélé, un homme s'est élevé, un homme s'est assis, il s'est arrêté, un homme a plané dans l'air malaisienne, un homme a décidé que les produits de la Malaisie doivent dorénavant être transformés sur le sol malaisien. C'est ce que je vous explique en longueur de journée. Que, en tant que nous n'avons pas la capacité de transformer nos produits bruts, c'est-à-dire nos produits bruts en produits finis, on ne peut pas
On ne peut pas être au même niveau de développement que ces nations-là. On ne peut même pas nous appeler un pays émergent. On ne peut pas nous appeler un pays développé. On n'est même pas en voie de développement. Il dit, ce monsieur dit, la Malaisie transforme. La Malaisie a construit des usines de transformation de cacao et de café. Ce n'est pas maintenant à Londres qu'on fixe les prix du produit fini de Malaisie à Malaisie. Mais plutôt, les prix sont fixés par les Malaisiens en Malaisie. Oh non, j'étais fier en quelque sorte, malgré que j'étais colorique, mais j'étais fier en quelque sorte. Je me dis, donc, ça veut dire tout simplement que c'est comme la narration que moi je fais en longueur de journée devant mes frères et sœurs, ça veut dire tout simplement que c'est faux, c'est pas faux. Je suis dans la logique. Ça veut dire tout simplement, on paye pour se développer, il faut avoir la capacité de transformation de des produits, de tes matières premières à un produit fini. Parce que quand tu as le produit fini, c'est toi qui fixes les prix de tes produits finis. Je vous pose la question. Les nombreux Guinéens qui me regardent là, partagez. Vous êtes 256, partagez. Les nombreux Guinéens qui me regardent là, partagez la vidéo là. Parce que ça vous permettra de voir gros. Ça vous permettra de faire de belles analyses. Ça vous permettra d'expliquer à votre tour à des gens qui vous écoutent. Je vous pose la question. Vous qui me suivez là. La Guinée a combien de matières premières? Quand on dit la Guinée est riche, on parle des ressources du sol et du sous-sol guinéen. Maintenant, quand il faut citer les ressources du sol et du sous-sol guinéen, on commence par quoi? Il y en a combien en Guinée? On a la bauxite. On a le diamant. On a l'or. On a l'uranium. On a le fer. D'accord? Citons que ces quatre-là, la bauxite, le diamant, l'or et le fer, citons que ces quatre-là sont seulement ces quatre. Posons-nous la question, aujourd'hui, nous les jeunes Guinéens, nous la population guinéenne, posons-nous la question. Si la Guinée avait, ou si les maîtres à penser guinéens, ils avaient justement vu ce facteur-là, ils avaient pu construire quatre usines de transformation de ces matières premières à des produits finis. On serait où aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on transforme la bauxite brute à un produit fini. De bauxite en aluminium, qu'on transforme cela. Et que c'est les Guinéens qui fixent le prix de l'aluminium. Que l'étranger vienne acheter avec le prix guinéen. Vous savez combien ça va nous apporter par an? Combien ça va nous apporter par an? Aujourd'hui, on dit que 70 millions de tonnes de bauxite sont exploitées par an. Mais combien de tonnes sont transformées par an de bauxite terre rouge en aluminium? Combien de tonnes? Combien de tonnes? Et vous savez, la bauxite brute, une tonne est vendue à 11 dollars. Maintenant, une tonne de bauxite brute transformée en aluminium, ça donne combien? Ça donne beaucoup d'argent. Ok? Maintenant, l'or qu'on exploite chez nous, là, vous savez, l'or brut, là, on prend l'or en poudre, on prend en Guinée, on vient vendre ici à Anvers. D'accord? Avec le prix des Belges, des Anversois. Ce n'est pas le prix des Guinéens. Ce n'est pas la Guinée qui fixe le prix. Le diamant, la même chose. Les minerais de fer, nous avons, j'ai fait combien de lives là-dessus. Si nous avions des usines de transformation, des minerais de fer, en fer, produit fini, je pense qu'on aurait la capacité de construire des chemins de fer chez nous en Guinée. Qui dit construction de chemin de fer dit évidemment, épanouissement de commerce. Dit évidemment développement, n'est-ce pas, du PIB, le produit intérieur brut de l'État.
Parce que autant il y a la circulation, il y a la bonne, il y a des bonnes routes, il y a des bonnes infrastructures routières. Autant il y a des infrastructures routières de qualité, autant le commerce intercity, c'est-à-dire interville, Ndia, Conakry, Conakry, Koya, Koya, Kankan, Kankan, Zérékoré, Zérékoré, Labé, la fluidité s'installe. Le PIB du pays augmente. Le produit brut intérieur, c'est l'indicateur de l'économie d'une nation. Mais comment voulez-vous que qu'on parle d'économie en Guinée, il n'y a même pas d'infrastructure routière de qualité. Les produits qui quittent à Zérékoré ne parviennent pas à Conakry à temps réel. Il y en a qui pourrissent même dans les camions. Les produits qui quittent à Conakry pour aller à Kankan, il faut mettre combien de jours? Les produits qui quittent à Conakry pour aller à Farana, il faut mettre combien de jours? Vous savez, notre pays tourne en ralenti. Au ralenti, mais le pays tourne au ralenti. Pendant que pour quitter à Bruxelles, venir à Paris, on fait 3 heures, on dit que c'est 300 et quelques kilomètres ou 300 kilomètres. Alors, disons, quitter Conakry, aller à Kindia, on dit que c'est 150 km, si je ne m'abuse. Quitter Kindia, aller à Mamou, c'est 150 km, ça fait 300 km. Est-ce qu'on peut faire ces 300 km là en 3 heures? Hmm? Maintenant, quitter Mamou, aller à Farana, parce que il faut savoir que entre les préfectures guinéennes, la plus longue distance, si je me trompe, si je ne m'abuse, c'est la distance qui sépare la ville de Mamou à la ville de Farana. C'est ce qui va jusqu'à dans les 185 km. Alors, les 185 km aujourd'hui entre Mamou et Farana sont faites à partant combien d'heures? 185 km. Si je ne me trompe, si je ne m'abuse. On parcourt ces 185 km pendant combien d'heures aujourd'hui? Si c'est pas toute une journée entière. Alors, comment voulez-vous qu'on parle de développement quand le pays va en ralenti? Comment voulez-vous? On ne peut pas parler d'économie. On ne peut pas parler là de produit brut intérieur du PIB là. Mes frères et sœurs, nous sommes encore derrière. Nous sommes encore derrière. Et quand on parle de tout ça, il y en a qui trouvent que c'est normal que le pays doit tourner comme ça. Il y en a qui trouvent que voilà, c'est normal, voilà, la Guinée a toujours été comme ça. Non, je m'inscris faux. Je m'inscris faux. Écoutez les gars, on doit avancer, on doit avancer, on doit voir le monde du bon côté. On doit avancer, on doit faire des choses merveilleuses pour notre nation. On doit se comparer aux pays développés, aux pays en voie de développement. La Guinée n'est même pas parmi les pays en voie de développement. Ok? La Guinée n'est pas un pays pauvre. Écoutez très bien. La Guinée ne fait pas partie des pays pauvres. Mais la Guinée fait partie des pays pauvres très endettés. C'est ce que j'ai dit la fois dernière. On ne figure pas encore parmi les pays les plus pauvres. Quand on dit parmi les pays les plus pauvres de l'Afrique, ne citez pas la Guinée. Quand on dit les pays les plus pauvres du monde, ne citez pas la Guinée. Mais quand on dit les pays les plus pauvres, les pays pauvres les plus endettés, alors citez la Guinée. La Guinée fait partie de ce lot-là. Donc, on doit d'abord se battre pour quitter dans cette classification des pays pauvres très endettés. On enlève le très endetté. C'est-à-dire, on enlève d'abord le très endetté, on vient endetté, puis on vient tout simplement pays pauvre. De pays pauvres, on peut parler là, on peut se battre maintenant pour être dans la classe des pays en voie de développement. On a du chemin à parcourir. Voyez les choses très bien. Réfléchissez, les Guinéens, les jeunes Guinéens, réfléchissez. Réfléchissez. Ce n'est pas les batailles ethniques qui vont nous amener de loin. Réfléchissez. Mes frères et sœurs, vous savez, M. Sylou Dalène disait qu'Alpha Condé fait la guerre même aux cadavres, aux personnes mortes. J'ai lu un article aujourd'hui où on me dit que, j'ai mal à le dire, où on me dit que le corps de Mamadou Wouri Bari n'a pas encore été restitué à ses parents. Simplement pour la bonne raison que les parents doivent reconnaître que leur enfant n'est pas décédé en prison.
Ça, c'est quel monde? Nous vivons dans quel monde? Quelqu'un qui est mort, vous avez arrêté quelqu'un, vous l'avez emprisonné, la personne est morte dans vos mains. On vous dit de restituer le corps. Vous dites non. Qu'il faut que les parents reconnaissent, qu'ils écrivent noir sur blanc pour reconnaître que leur enfant n'est pas mort en prison. Mais nous sommes dans quel monde en Guinée? Nous sommes dans quel monde en Guinée? Pour quelqu'un qui est mort, il faut politiser cela. Je pense que les nombreux Guinéens qui analysent la situation guinéenne savent aujourd'hui que ce monsieur n'a jamais aimé la Guinée. Savent aujourd'hui que ce monsieur ne s'est jamais battu pour la démocratie. Savent aujourd'hui que ce monsieur n'a jamais été un professeur de droit. Savent aujourd'hui que ce monsieur n'a jamais enseigné le droit. Savent aujourd'hui que ce monsieur a triché, est en train de tricher avec le droit. Et vous savez, on dit souvent que nous vivons derrière les masques. Et quand le moment arrive d'enlever le masque, on tire la peau. C'est ce qui se passe avec Alpha Condé. C'est quelqu'un qui le disait. C'est pas, cette citation ne vient pas de moi, c'est quelqu'un qui le disait. Il dit, nous vivons tous derrière un masque. Et quand le moment arrive d'enlever le masque, on tire la peau. Alpha, depuis sa naissance, depuis qu'il a pris conscience de sa personne, depuis qu'il a commencé cette affaire de politique, ce soi-disant combat politique, jusqu'à son accession au pouvoir, Alpha a toujours vécu derrière un très grand masque. Et même quand il a eu le pouvoir en Guinée, au lieu d'enlever doucement son masque, le mettre de côté, il n'a pas fait cela. Il a toujours gardé ce masque. Et aujourd'hui, on le demande de retirer ce masque. Mais en retirant ce masque, M. Alpha Condé est en train de tirer la peau. Il est en train de tuer les enfants guinéens. Et c'est là qu'on se rend compte de la véritable nature de cet homme-là. On se rend compte, c'est-à-dire de l'inhumanité dans le corps de cet homme. Je ne peux pas imaginer cela, mes frères et sœurs. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre. Oh, monsieur Alpha Condé, oh, monsieur les ministres, vous avez des enfants. Vous avez épousé des femmes. Avec ces femmes-là, vous avez fait des enfants. Vous chérissez vos enfants en longueur de journée. Mais quelqu'un est mort dans votre main. Vous l'avez arrêté, vous l'avez emprisonné. Le petit de 21 ans, il est mort en prison. On vous dit, ok, il est mort. Donnez-nous notre enfant pour qu'on puisse l'enterrer dignement. Vous dites que non, il faut que le père et la mère de cet enfant qui est mort en prison reconnaissent que leur enfant n'est pas mort en prison. Non, j'ai le cœur déchiré. Sincèrement, j'ai le cœur déchiré. Et je me dis, le Guinéen vit avec ça comme si de rien n'était. Il y en a qui trouvent que c'est normal, c'est un animal qui est mort, il faut le garder. Ça vous rapporte quoi au juste? Ça vous rapporte quoi au juste? Vous, les plutocrates, ça vous rapporte quoi? Vous qui avez installé la voyoucratie en Guinée, ça vous rapporte quoi? Vous qui avez installé la volécratie, ça vous rapporte quoi? Cette condécratie sans queue de tête, ça vous rapporte quoi? Ça vous rapporte quoi au juste? Eux, que l'histoire est bête. Oh, que le pouvoir est bête. Mes chers frères, n'avez-vous pas vu la fin d'Ahmed Seck Touré? N'avez-vous pas vu la fin du PDG RDA? Ça, c'est encore très loin. N'avez-vous pas vu la fin du PUP? N'avez-vous pas assisté à la fin misérable du PUP? Est-ce qu'on parle aujourd'hui de PUP en Guinée? Oh là là, bon sang de Dieu, que les gens sont fous. Que les Guinéens ne réfléchissent pas. Les cadres guinéens ne réfléchissent pas. Qu'ils n'ont pas de mémoire, ces gens-là. Ça ne m'étonne pas. Sincèrement, ça ne m'étonne pas. Parce que je me dis que, en réalité,
Ce monsieur, entre lui et Ahmed Sek Touré, en matière d'exaction, on ne peut pas comparer Alpha Condé à Ahmed Sek Touré en matière d'exaction. Alpha Condé a fait pire qu'Ahmed Sek Touré. On parlait de pendaison là, au temps d'Ahmed Sek Touré. Mais Alpha Condé a fait pire. Les 10 ans d'Alpha Condé, il a tué plus de Guinéens, il a emprisonné plus de Guinéens que les 26 ans d'Ahmed Sek Touré. Et si vous voulez, encore, les 26 ans d'Ahmed Sek Touré, de 58 en 84, plus les 24 ans de l'ancien Konté, Alpha Condé a tué plus de Guinéens, il a emprisonné plus de Guinéens que ces deux-là réunis. C'est la vérité. J'ai pas lu dans les archives, ok? J'ai pas lu dans les archives guinéennes. J'ai pas entendu un professeur d'histoire guinéen. J'ai pas vu un parent guinéen qui m'a raconté que, voilà, il y avait des manifestations au temps d'Ahmed Sek Touré et que la milice était là à fusiller les gens. Ça, j'ai pas entendu. D'accord? Ça, j'ai pas entendu. Les nombreuses arrestations arbitraires qu'on est en train de faire là, l'ancien Akonté ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, l'ancien Akonté. Un président militaire, quelqu'un qu'on traitait d'irrité. Mais vous savez, oh, c'est pourquoi je dis souvent que ça me fait beaucoup rire quand je parle de l'ancien Akonté et quand je parle d'Alpha Condé, quand je parle d'Ahmed Sek Touré. Vous savez, Ahmed Sek Touré n'est peut-être pas professeur en droit. Vous savez, l'ancien Akonté n'était même pas détenteur d'un master. Il n'était même pas universitaire. Mais en réalité, ces gens-là, ils étaient plus lettrés. Ils étaient plus lettrés qu'Alpha Condé. Ils étaient plus diplômés qu'Alpha Condé. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ces gens-là, ils ont été diplômés de l'université de la Guinée. Quand je dis l'université de la Guinée, la culture guinéenne, ils avaient en eux, ils avaient, c'est-à-dire, ils étaient en quelque sorte l'incarnation de la culture guinéenne, de la vie guinéenne, de la civilisation guinéenne. Ils sont nés en Guinée, grandis en Guinée. Ils ont fait tout leur temps en étant en contact avec la réalité guinéenne. C'est pourquoi l'ancien Akonté a su s'imposer. C'est pourquoi, quand il parlait des réalités de la Guinée. OK? Je ne suis pas d'accord avec lui, le fait simplement qu'il n'a pas partagé le pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec Ahmed Sek Touré, le simple fait qu'il n'a pas partagé le pouvoir. Mais en termes, OK, de culture, en termes de civilisation, en termes d'organisation, on ne peut pas comparer ces gens-là à Alpha Condé. Non plus, on ne peut pas. On ne peut pas. Alpha Condé, ce monsieur-là, il vit dans un autre monde. C'est pourquoi je dis tout le temps qu'il vit dans un monde fantomatique. Et il pense que nous allons le suivre dans ce monde fantomatique-là. Il n'y a pas très longtemps, je pense que c'était hier, ou je pense même que c'était aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, parce que j'ai plein de choses dans la tête et je pense beaucoup. J'ai suivi la vidéo d'un jeune de Farana, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Le jeune se défoulait. Un jeune de Farana qui se défoulait sur le RPG arc-en-ciel. Il a parlé, il a parlé, il était en colère, il a dit la vérité. Il a parlé, il a déversé sa colère, il a dit la vérité. Et après, ce même jeune, il a fait une autre vidéo en présentant ses excuses. Je me dis, quand est-ce le Guinéen va grandir? Quand est-ce les enfants guinéens vont grandir? Quand est-ce ils vont assumer leurs propos? Quand est-ce ils sauront qu'ils sont devenus majeurs et on ne doit pas influencer leurs décisions? Quand est-ce? Quand tu dis qu'Alpha Condé s'en fout de la ville de Farana, mais il faut l'assumer, c'est une vérité. Quand tu dis que Alpha Condé et son gouvernement s'en foutent complètement de la ville de Farana et des cadres issus de la ville de la préfecture de Farana, mais il faut assumer, c'est une vérité. Quand tu dis que si Alpha Condé ne nomme pas un fils de Farana dans le gouvernement guinéen, que tu vas casser le pont de Farana, mais il faut assumer. Quand tu dis que le RPG, 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 c'est quoi? Mais il faut assumer. Mais c'est la vérité que tu dis. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas présenter tes excuses à quelqu'un qui est en train de vous marginaliser, à quelqu'un qui est en train de vous piétiner, de piétiner votre existence et votre vie. Mais, écoutez, la responsabilité, c'est quoi?
Aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis que le gouverner autrement de M. Alpha Condé n'est rien d'autre que l'intimidation et la terrorisation du peuple de Guinée. Aujourd'hui, tout le monde a peur en Guinée, tout le monde, du plus petit Guinéen au plus, du plus petit au plus grand, sauf les quelques téméraires. Et parmi les téméraires figure simplement, naturellement, M. Sidou Dalein Diallo. Parmi les téméraires figure Foniki Menge, qui a été condamné à 11 mois de prison. Alors je me pose la question. De sa date d'emprisonnement jusqu'à sa condamnation, on doit compter cela. Il a fait quelques mois en prison. Plus de 4 mois, il est en prison. Alors s'il a fait 4 mois en prison, on doit déduire ces 4 mois dans les 11 mois de prison, d'emprisonnement. Bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Foniki Menge est justement jugé parce que maintenant, M. Alpha Condé a une pression derrière lui pour être poli et ne pas dire derrière ses fesses. Ok, Alpha Condé a une pression, il a une pression insupportable derrière lui. Il est acculé aujourd'hui par la communauté internationale. Alors, j'ai vu quelques farfelus qui ont fait certaines vidéos en disant la France n'a pas le droit de s'immiscer dans nos affaires internes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que le monde est organisé. La France n'a pas le droit. Mais la France a encore un droit de veto sur la Guinée et toutes les nations africaines qu'elle a colonisées. Ça, c'est vrai. On dit souvent que la France n'a pas le droit de s'immiscer dans nos affaires internes. Mais ce que vous oubliez, les dictateurs qui sont à la tête de l'État, là, sans les puissances étrangères, on ne peut pas se débarrasser de ces dictateurs-là. Surtout un peuple divisé, ignorant comme le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée est divisé et le peuple de Guinée n'arrive pas à mener un combat, une lutte commune pour se débarrasser de ce sanguinaire. Le peuple de Guinée n'arrive pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui pensent que c'est une question d'ethnie, ok, c'est les Malinkés, alors c'est les peu. Alors comment voulez-vous qu'on soit fort avec ça? Comment voulez-vous qu'on puisse installer une démocratie dans ça? Comment voulez-vous qu'on puisse parler de développement, d'émergence dans ça? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Hier encore, il y a un ami qui m'a appelé, après que j'ai fini de faire ma vidéo, mon live, il me dit, Monsieur Kanté, vous avez parlé, je vous écoute très souvent, c'est un ami que voilà, si je dis son nom tout à l'heure, vous allez le reconnaître. Ben, je préfère taire son nom, mais j'ai eu une conversation très amicale avec lui, où il me disait, Monsieur Kanté, vous savez, en réalité, je suis déçu de Monsieur Alpha Condé, sincèrement. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui à un moment donné a défendu les valeurs d'Alpha Condé, mais après l'arrestation de cette dame du nom de Hadja Fatou Bangoura, le monsieur, il m'a dit, écoutez, mais moi, je suis déçu. Ça veut dire tout simplement qu'au sein du RPG Arc-en-Ciel, qu'on n'a pas le droit de dire la vérité. Et ça veut dire simplement qu'il n'y a jamais eu de démocratie au sein de ce parti-là. Alors, qui parle de démocratie, de non-démocratie au sein du parti RPG Arc-en-Ciel, avec un leader qui se dit que j'ai fait 40 ans de combat pour la démocratie, comment vous pouvez croire que cet homme peut installer la démocratie en Guinée? Il ne peut pas. Je dis, mais bien sûr, vous comprenez maintenant. Il dit, mais bon, écoutez, quand on parle aussi de Sidou Dalein Diallo, voilà, en tant d'écouter ses enfants, les jeunes peuvent le parler de ce parti, on a tendance à croire que aussi l'UFDG, c'est un parti avec nous. Je dis, non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce que c'est ce que vous devez savoir. Il y a les communicants de l'UFDG et il y a des peuples militants sympathisants de l'UFDG qui font aujourd'hui des lives. Ils ne sont pas des communicants de l'UFDG. Et tout le monde n'a pas l'art de communiquer, tout le monde n'a pas l'art de parler. Alors ces gens qui vont faire des vidéos pour parler en poulard, c'est s'adresser seulement à la communauté peul. Ok? Parce que quand vous parlez, quand vous faites un live que vous parlez tout le temps en poulard, ça veut dire que ceux qui ne comprennent pas le poulard, mais tant pis pour eux. On est d'accord? Moi, j'ai eu plein de personnes qui m'ont reproché en me disant, Monsieur Kanté, vous parlez trop en français. Des fois, il faut faire des trucs en malinké ou en soussou. Je me dis, non. On ne peut pas parler le malinké. On ne peut pas parler le soussou. On ne peut pas parler le poulard. Pour quelqu'un qui a des ambitions. On est d'accord? Il n'y a pas une langue en Guinée où tout le monde s'exprime là-dedans. Non, c'est le français. Je suis désolé. Je peux faire des trucs en malinké. Mais écoutez, si je parle en malinké, les peuls qui ne comprennent pas malinké, ils ne vont pas comprendre. Alors je préfère parler en français, ok, dans un français clair, ok, dans un français primérien ou collégien. Je préfère m'exprimer là-dedans, comme ça même les commerçants,
Ok, qu'ils comprennent seulement bonjour, bonsoir, toi fais ça, toi pas fais ça, moi appelle. Pour qu'ils comprennent au moins. Comme ça, ils sachent en réalité ce que je suis en train de dire. Alors, il faut comprendre que il y a un groupe de jeunes ou il y a un groupe de blogueurs, ok, issus de la communauté Peul, qui parlent en poulard, qui font des lives en poulard, qui s'adressent à la communauté Peul et il y a quelques malinqués qui comprennent le poulard. Pour ceux-là, ces gens-là sont des ethnos parce qu'ils passent le plus clair de leur temps à parler, n'est-ce pas, en poulard. Il y a aussi des communicants du RPG Arc-en-Ciel qui parlent seulement qu'en malinqué. Ok, et ceux qui ne comprennent pas le malinqué, ben, ils diront simplement que ces gens-là, ce sont des ethnos. On est d'accord? Alors, parler dans une langue pour que tout le peuple comprenne. C'est ce que moi je suis en train de faire. Je l'ai dit à mon ami, je dis, bon, écoute, quand tu vois un peul, un jeune peul qui fait des lives, qui parle seulement qu'en poulard, ok? Et si tu comprends le poulard, il faut l'écouter. Alors, si tu détectes à travers sa narration des propos d'ethno, il faut comprendre que ça, c'est pas l'UFDG. C'est quelqu'un qui se sert de l'UFDG pour régler ses comptes. On est d'accord? Parce qu'il est issu de la communauté Peul et il estime que les Peuls sont, victimes de quelque chose en Guinée. Alors lui étant un jeune colérique, ok, il se sert de ce parti de l'UFDG pour régler ses comptes en poulard. Ça ne veut pas dire que ce monsieur, il fait partie de l'UFDG. Non, je dis, ben, écoutez, il y a des communicants, des véritables communicants de l'UFDG. Et ces véritables communicants-là, quand tu les écoutes, tu ne vas jamais entendre le mot Peul. Tu ne vas jamais entendre le mot malinqué. Il parle toujours de la Guinée, il parle toujours du gouvernement, il parle toujours d'Alpha Condé. Parce que Alpha Condé, c'est lui qui est à la tête de la Guinée. Tout le monde a le droit de parler de lui. Le gouvernement d'Alpha Condé, c'est ce gouvernement qui est mis en place. Tout le monde a le droit de parler de ce gouvernement-là. Donc, il faut savoir faire la différence entre les jeunes peuples, sympathisants de l'UFDG, qui ont la haine dans leur cœur et qui tiennent souvent des propos ethniques, et les véritables communicants de l'UFDG. Parce que si vous ne faites pas la différence, que vous écoutez quelqu'un un jour, un jeune qui est en colère, un jeune peul qui est en colère, qui s'attaque au malinqué, qui s'attaque au tant, ben, vous allez vous serez rendu dans l'erreur. Parce que vous allez dire, écoutez, encore c'est eux, voilà, ils sont en train de, c'est des ethnos, ils parlent en poulard et ils font des trucs comme ça. Mais écoutez, mon frère, je l'ai dit hier, je pense qu'il est en train de me suivre là. Je lui ai dit, désormais, si tu veux écouter très bien les communicants de l'UFDG, tu feras mieux d'écouter les gens qui sont cohérents, ceux qui sont rationnels, ceux qui évoluent dans la logique, ok? Tu feras mieux d'écouter les quelques cadres de l'UFDG. Et pour te donner un exemple, le principal acteur de l'UFDG qui est CDD, ok? Dans ses discours, on n'entend jamais un peu. On n'entend jamais Peul, on n'entend jamais Malinké, on n'entend jamais, ok, Soussou, on entend toujours peuple de Guinée. On entend toujours République de Guinée. Quand les Ousmane Gawal parlent, ils ne parlent pas de poulard, ils ne parlent pas de Peul, et ils ne parlent pas en poulard. Bien sûr, si les Ousmane Gawal veulent se faire connaître, bon, d'ailleurs, moi, je n'ai jamais entendu Ousmane Gawal parler en poulard. Peut-être qu'il a parlé, il a tenu des discours en poulard, mais moi, je ne l'ai jamais entendu. À chaque fois que j'entends Ousmane Gawal parler, ben, il parle en français. Et ils parlent dans un français, dans un langage soutenu. Quand je vois les docteurs Ousou Fofana parler, mais eux, ils parlent en français. Hein? Bien vrai que docteur Ousou parle très bien en poulard, mais ils parlent toujours en français. Donc ça, ce sont les cadres. Ok? Ce sont les véritables cadres qu'il faut écouter. Et les quelques fédérales de l'UFDG aussi. Voilà. Ces responsables-là, mais qui parlent, qui ne parlent jamais de peuple en Guinée, qui ne parlent jamais de communauté, qui parle toujours de la République de Guinée. Alors, il faut savoir faire la différence entre ces jeunes marmailleurs issus de la communauté Peul, qui règlent leur compte en se servant de l'UFDG, et les véritables communicants de l'UFDG. C'est ce que je lui ai dit. Ok? Et après, avec les raisonnements, avec la logique, le gars, il a compris, voilà, il me dit, non, tu sais, bon, moi, avec les Sélouda Alain Diallo, les Kassouri, je les traite les mêmes choses. Je dis, ben, bien sûr, tu as raison de le dire. Tu as raison de le dire, bien sûr, que Sélou Alain Diallo, toi, tu as le droit de critiquer Sélou. Tu as le droit de le critiquer. Ok? Que tu sois issu de la communauté Peul, de la communauté Malinké, de la communauté Guerzé, tu as le plein droit de critiquer Sélou. Pour la simple et bonne raison, c'est un leader guinéen. C'est un homme de premier plan.
en République de Guinée, c'est un élite guinéen. C'est un homme public. Tu as le droit de le critiquer. Mais ce que je te conseille, tu n'as pas le droit de l'insulter. On est d'accord? Parce qu'il faut savoir faire la différence entre critique et insulte. Tu vas l'insulter. Il ne va absolument rien faire. Ok? Mais la logique voudrait que, voilà, que tu le respectes, tu le critiques. Tu le critiques sévèrement. Sévèrement. Ok? Tu le critiques sévèrement, même à l'extrême. Le critique, tu peux le faire. Mais tu n'as pas le droit de l'insulter. Comme nous autres, on n'a pas le droit d'insulter Alpha Condé. Ok? Mais on a le droit de le critiquer sévèrement. Sévèrement. Et on a le droit de dire la vérité. Quand je dis Alpha Condé sanguinaire, je ne l'insulte pas. Je ne l'insulte pas en sanguinaire. C'est qui? Ben, c'est une assassin qui tue les gens. Ok? Qui déverse le sang de son peuple. Le sang des citoyens. Ben, c'est un sanguinaire. Quand je dis c'est un assassin. Mais un assassin, c'est qui? C'est quelqu'un qui assassine son peuple. Alors, évidemment, il y a des gens qui viendront avec des esprits un peu divisionnistes en me disant, ben, est-ce que vous avez vu Alpha Condé tirer sur des gens? Je dis, ben, écoutez, tu penses qu'il y a quelqu'un qui meurt en Guinée qu'Alpha Condé ne donne pas l'ordre? Tu penses que la police sorte comme ça, hasardement, sans que M. Alpha Condé ne soit au courant? Tu penses que la gendarmerie peut comme ça tirer sur les gens sans qu'Alpha Condé ne soit pas au courant? Pourquoi on appelle Ahmed Sékou Touré sanguinaire? Parce qu'il y a eu des tueries à l'époque d'Ahmed Sékou Touré. Et il était le responsable de la Guinée. Alors si aujourd'hui, il y a des assassinats, ok, il y a des fusillades en Guinée, si aujourd'hui, il y a de la corruption, il y a du vol, il y a des règlements de compte, le principal intéressé, c'est M. Alpha Condé. Le responsable unique, c'est M. Alpha Condé. C'est pourquoi nous disons toujours, c'est lui, et c'est lui, et c'est lui. Que ça vous plaise ou pas, c'est lui. S'il y a du vol en Guinée, du vol étatique, du vol dans le gouvernement, c'est Alpha Condé. Ok? S'il y a des emprisonnements, il y a des prisonniers politiques, il y a des gens qui sont arrêtés arbitrairement, c'est Alpha Condé. On est d'accord? S'il y a de la débauche dans le gouvernement, c'est Alpha Condé. S'il y a la malorganisation en Guinée, c'est Alpha Condé. Ok? S'il y a quoi que ce soit, c'est Alpha Condé. C'est lui qui donne l'ordre. C'est lui le premier responsable. Donc nous avons le droit de le critiquer jusqu'à l'extrême. Mais nous n'avons pas le droit de l'insulter. On est d'accord? Soyons d'accord sur ça. Alors, quand on dit souvent dictateur, il ne faudrait pas que cela vous fâche. Quand on dit dictateur, un dictateur c'est qui? Cherchez la définition de dictateur dans le dictionnaire. On vous dira que le dictateur, la dictature, le dictateur, c'est quelqu'un qui ne partage pas le pouvoir. C'est quelqu'un qui monopolise le pouvoir. Un dictateur, c'est quelqu'un qui ne partage pas le pouvoir. Pourtant, le pouvoir est à partager. C'est ce qui est dans la constitution guinéenne. Alors, quand on dit dictateur Alpha Condé, mais il a fait un mandat, deux mandats. Il a confisqué le pouvoir pour troisième mandat. Mais il ne partage pas le pouvoir. C'est un dictateur. Ahmed Sékou Touré a fait 26 ans. C'est un dictateur. Lansana Conté a fait 26 ans. C'est un dictateur. Alors, appelez le chien chien. Un dictateur, c'est celui qui refuse de partager le pouvoir. Alpha Condé est un dictateur. On est d'accord? Alors, quand on dit Alpha Condé menteur, c'est pas, on ne l'insulte pas. Mais on le critique, on le réproche. Bien évidemment, quand on dit menteur Alpha Condé, on ne l'insulte pas. Et très évidemment, il a menti au peuple de Guinée. Il a menti à des millions d'enfants guinéens. Quand vous promettez quelque chose à un enfant et que vous ne réalisez pas cette chose-là, mais vous êtes un menteur. On dit souvent que la promesse est une dette. Ok? Il a promis, il a fait combien de promesses en Guinée qu'il n'a pas réalisé ces promesses-là. Alors, les gens auxquels ce monsieur a fait ces promesses-là et que ces promesses-là sont restées irréalisables peuvent traiter Alpha Condé de menteur. Bien évidemment. Il a dit qu'il va construire l'université pour la ville de Cancan. Il a dit qu'il va donner de l'électricité, barrage, qu'il va construire un barrage hydroélectrique à Cancan. Il a dit qu'il va donner des routes. Il a dit, même dans une de ses sorties, il a dit aux populations de Kissidougou qu'il va faire l'agriculture, il va nourrir les enfants, la population de la Guinée et qu'il va vendre l'excédent de la nourriture. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que la Guinée aujourd'hui vend l'excédent? La Guinée n'a même pas comment la Guinée va vendre. Alors, pour les gens, devant les gens auxquels M. Alpha Condé a tenu ces promesses-là,
Ces promesses-là sont restées irréalisables. Alors évidemment, ces gens-là peuvent traiter Alpha Condé de menteur. Cela ne doit pas faire du mal à quelqu'un. Sincèrement. Il a dit qu'il va construire une usine de, je sais pas, de transformation ou une usine de fabrication de tablettes à la population de Mamou. Mais cette promesse-là est restée irréalisable. Alors, si la population de Mamou traite Alpha Condé de menteur, est-ce que ça doit faire mal à quelqu'un? Non, ça ne doit pas faire mal à quelqu'un. Il a dit que les femmes guinéennes ne vont pas payer l'accouchement. Il a dit que l'école sera gratuite pour tous les enfants. Qu'on va soigner le peuple de Guinée. Est-ce que l'école en Guinée est gratuite? Non. Mais les gens devant lesquels M. Alpha Condé a tenu ses promesses pareilles là et qu'il n'a pas pu réaliser. Mais ces gens-là, quand ils traitent Alpha Condé de menteur, ça doit vous faire mal. Mais il a menti. Appelons le chien chien. Appelons le chat chat. Appelons le menteur menteur. On est d'accord, les gars? Alors, il faut que les gens comprennent souvent quand nous parlons, précisément comment je parle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand je parle. Eux, ils doivent comprendre, sincèrement, ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre, c'est ce qui est la vérité. Et c'est ce qui est la logique, c'est ce qui est la raison. On n'insulte pas, moi précisément, j'insulte pas M. Alpha Condé. Mais je vais le critiquer sévèrement. Et mes critiques sont fondées. Mes critiques sont fondées. Hein. Il a dit qu'il va donner de l'eau. Il n'a pas donné de l'eau potable. La population de Cancan a grévé pour avoir de l'eau. La jeunesse de Cancan a grévé pour avoir de l'électricité. Ok? Il a dit qu'il va construire des routes. Où nous en sommes aujourd'hui? Alors, il faut que on essaie de démystifier le pouvoir. Ok? Qu'on se débarrasse de cette mystification du pouvoir du genre. Non, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il faut respecter. Non mais écoute. Un président qui ne se respecte pas, comment voulez-vous que le peuple le respecte? Alpha Condé a juré sur la Constitution en disant qu'il va respecter la loi et faire respecter la loi. Ok? Et qu'il ne va jamais changer la Constitution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé, il n'a pas respecté, il n'a pas fait respecter non plus. Alors, dans ce sens, c'est un menteur ou bien c'est pas un menteur? Bien évidemment que c'est un menteur. C'est un menteur. Et puis, c'est un trompeur. C'est la vérité. Vous devez comprendre cela. Il faut critiquer ce monsieur-là. Parce que ce monsieur ne s'est jamais battu. Il s'est jamais battu pour le bonheur en Guinée. Il s'est toujours battu pour se venger. Il s'est toujours battu pour avoir le pouvoir afin de se venger. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors ce jeune qui a parlé de la ville de Farana, je pense qu'il va voir cette vidéo. Il faut savoir tout évidemment que ce que tu as dit la vérité. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça qu'on distingue les hommes. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que vous ayez le courage de dire la vérité. Vous qui êtes les vrais militants de ce parti RPG arc-en-ciel, il faut que vous ayez le courage d'affronter les responsables de ce parti. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les jeunes du RPG arc-en-ciel ne savent pas, c'est ce que je vais vous dire. Ces jeunes-là ne savent pas qu'après Alpha Condé, le RPG arc-en-ciel n'existera plus. Et c'est maintenant qu'ils doivent se battre pour avoir ce qui leur est dû. Parce que après Alpha Condé, il n'y aura plus RPG. Hein. Il n'y aura plus RPG, c'est ce que vous devez comprendre. Alors c'est maintenant que vous devez vous battre pour avoir ce qui vous est dû. Qui va prendre la tête du RPG après Alpha Condé? Mohamed Diané, qui est décrié partout en Haute-Guinée? Non. Docteur Kassouri Fofana, les Malinkés ne vont pas l'accepter en tant que président du RPG arc-en-ciel. Non. On dira quoi? Il ne faut pas que le pouvoir revienne à la main des Soussous. Qui? Qui va prendre le RPG? Baïdi Haribo? Mon œil. Qui? Qui va prendre la tête du RPG? Qui sera unanime à la tête du RPG pour que tous les Malinkés de la Haute-Guinée qui ont dit Alpha, disent la même chose pour cette personne-là. Qui? Il n'y en a pas. Dites-moi le nom d'une personne. Vous qui me suivez là, dites-moi, s'il vous plaît. En une seconde là. Dites-moi, écrivez le nom de quelqu'un d'un seul cadre du RPG arc-en-ciel aujourd'hui qui pourra prendre la tête du parti après Alpha Condé. Et que tous les Malinkés de la Haute-Guinée et tous ces soi-disant militants du RPG arc-en-ciel à travers la forêt et à travers la basse-côte pourront être unanimes
sur la nomination de la personne. Écrivez le nom, s'il vous plaît, de la personne. Écrivez. Si vous connaissez quelques cadres, il y a quelqu'un qui a écrit Mouktar Diallo. Merci beaucoup. Ah, il y a encore qui? Il me dit Damaro. Damaro, non. Jamais. Ils ne vont pas l'accepter. Monsieur Damaro, ils ne vont pas l'accepter. C'est une personne bien quand même pour le parti, mais ils vont jamais l'accepter. Président de l'Assemblée, Monsieur Damaro, honorable Damaro, bien sûr, c'est quelqu'un qui est bien, ok, il est bien pour le parti, même si sa bonté pour la Guinée reste encore ok, perplexe dans ma tête, mais c'est quelqu'un qui est bon pour le parti. Mais je pense que les malinqués de la Haute-Guinée ne vont pas l'accepter, pour la bonne raison que c'est un Koniaké. Ok, alors on y va. Il y a quelqu'un qui me dit Bantam Asso. Merci beaucoup, mon cher. Alors, un autre nom encore. Un autre nom, s'il vous plaît. Mouktar Diallo. Un autre nom, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un autre nom. Citez un autre nom. Je parle des vrais cadres. Des vrais cadres. Il y a quelqu'un qui écrit Makanera Kake. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, vous voyez. Il n'y a pas de cadre aujourd'hui. C'est pourquoi, vous savez, Alpha Condé. Ce monsieur, il n'est pas fou. Alpha Condé voit tout, il analyse tout. Il n'est pas fou. Alpha Condé sait que le parti, là, au fond, n'existe plus. Et vous savez, pour vous prouver cela, je vais vous ramener à une déclaration d'Alpha Condé avant les élections. Avant les élections, Alpha Condé a dit à ses cadres-là, ok, les cadres qui sont dans son gouvernement, d'aller chercher, d'aller convaincre, ou si vous voulez, reconvaincre ces vieux militants qui disent RPC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces vieux-là étaient déjà déconnectés du RPJ. Alors, il faut aller les chercher. Ces vieux-là sont déjà déçus du RPJ arc-en-ciel. Alpha Condé, il sait très bien. Alors, il a dit au cadre d'aller chercher, hein, les vieux cadres, c'est-à-dire les militants, les militants de première heure du RPG arc-en-ciel. Ça veut dire aujourd'hui que, après lui, il n'y en a pas. Parce que entre même les populations de la Haute-Guinée, ils ne sont pas d'accord. Parce que, pour la bonne raison, il y en a qui ont leurs enfants dans le gouvernement. Il y a une partie de la Haute-Guinée qui a son enfant, leurs enfants dans le gouvernement, si je puis dire. Mais il y a une autre partie dont les enfants ne sont pas considérés. Sankara, la ville de Farana fait partie de la Haute-Guinée. Mais quand vous regardez dans le gouvernement d'Alpha Condé, il n'y a pas de ministre issu de la ville de Farana. Et vous savez, ça c'est une histoire longue. Alpha est quelqu'un de haineux. Il n'y a pas. Alors quand les Toronka, ça c'est une partie de la Haute-Guinée, se sont révoltés, se sont réunis pour dire que Alpha Condé doit nommer quelques-uns de leurs enfants dans le gouvernement. S'il ne le fait pas, c'est que ces gens-là, ils vont plus supporter Alpha Condé, c'est fini. Ils vont plus regarder le RPG arc-en-ciel, c'est fini. Ils vont plus jeter coup d'œil sur le RPG arc-en-ciel après Alpha Condé. Ils vont plus le faire. Ok? Alors, il y a des coins comme ça de la Haute-Guinée. Il y a des préfectures, des sous-préfectures comme ça de la Haute-Guinée. Qui réclament aujourd'hui des cadres issus de leur région, de leur préfecture. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RPG est devenu un gros morceau de viande. Tout le monde est en train de couper. Tout le monde est en train de couper sa part. Tout le monde. Et vous allez voir la fin du match. La fin du match sera un vrai cinéma. Un vrai film d'horreur. Ça sera un vrai film d'horreur. Déconseiller même aux enfants de 18 ans, je dirais même pas 16 ans, aux enfants de 18 ans. Quelqu'un me dit Bourama Condé. Vous savez, aujourd'hui, moi je dis que Alpha Condé, c'est le baobab du RPG arc-en-ciel. Vous savez, le baobab, il est comme ça. Et tous les noms que vous venez d'énumérer là, tous les noms que vous venez de citer là, tous ces gens-là sont assis sous le baobab. Les Bourama Condé, les Mohamed Diané, les Kassouri, les Baïdi Aribo, les Bantam Asso, les Kiridi Bangoura,
Tous ces gens-là qui se disent aujourd'hui cadres du RPG, ils sont assis sous le baobab, sous l'ombre d'Alpha Condé. Le jour que Alpha Condé tombera, ces gens-là, c'est fini pour eux. Le parti sera déjà mort, enterré. Donc les gars, nous sommes à la fin. Et vous avez constaté qu'aujourd'hui, ce parti politique, dans le fond, n'existe plus. C'est comme la fin de l'Ansana Conté. À la fin de l'Ansana Conté, le PUP n'existait plus. Et quand il est mort, on n'a même pas osé parler du PUP. Ok? Donc restez calme. Quel que soit le temps, la vérité va jaillir. Et la vérité commence déjà à jaillir. Vous pensez que la femme qu'on a arrêtée là, la femme qu'on est allée réveiller à 4h, 5h du matin, Hadja Bountoura, Fatou Bangoura, là, vous pensez que cette femme-là, ses parents, ses enfants, hein, les gens qui l'admirent, vous pensez que ces gens-là vont continuer à admirer le RPG? Non. Ça fait un de moins. Et ça fait quelques militants de moins. Donc, pour ne pas que la réaction de cette femme-là se propage, pour ne pas que ça devienne une réaction commune, une réaction massive, pour ne pas qu'elle ait aussi des militantes qui viennent l'épauler dans ce combat, c'est pourquoi on l'a arrêté. Pour l'effrayer, l'intimider. C'est simplement que ça. Mais le peuple ne dort pas, le peuple regarde tout. Le seul conseil que je peux dire aujourd'hui à M. CDD, c'est de patienter. C'est de patienter. Son heure est en train de sonner. C'est de patienter. La politique, c'est la patience. Mais le Guinéen dira, oh bon, qu'est-ce qu'on a été bête. Qu'est-ce qu'on a été malheureux durant tout ce temps-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans cette affaire-là. Pourquoi on n'a pas choisi ce monsieur-là il y a longtemps. Le Guinéen se le dira. Ça, c'est une prophétie. L'heure de ce monsieur est déjà affichée à l'horizon. Je vous dis la vérité. Il y en a qui me diront, ah mais tu n'as rien compris parce que ce monsieur-là, quand il sera à la tête de l'État, et voilà, il va nommer seulement que des peuples. Non. Il ne sera pas victime du premier régime, il ne sera pas victime du deuxième régime ni du troisième régime. Mais plutôt, les leçons tirées du premier régime, les leçons tirées du deuxième régime, les leçons tirées du troisième régime, ça fait trois belles leçons et trois bonnes lotions. Ces leçons-là le serviront à bien servir la République de Guinée. Ces leçons-là le permettront du moins à ne pas répéter les mêmes erreurs que ses prédécesseurs ont fait. Ces leçons-là le permettront d'être un homme, un véritable, d'être un chef, un véritable, d'être un travailleur hors pair, il est déjà, et d'être un organisateur, d'être un unificateur, d'être un vrai responsable, c'est-à-dire un vrai rassembleur dans le fond. Ça se passera devant nous tous. Tout ce que je demande, et tout ce qui n'est pas mon pouvoir, c'est la longévité. Parce qu'avoir la longévité, ça c'est pas de mon domaine. Ok? Souhaitons avoir la longévité. On verra la présidence de CDD. Ça se passera devant des Guinéens. Et c'est les mêmes Guinéens qui vont confirmer. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. À demain. Restez cool. Je serai toujours là. Je ne vais pas baisser les bras. Je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras facilement. Moi, je suis un dur à cuire. Je vais continuer à parler. Et si ça fait mal à quelqu'un, tu es simplement plié. Prier du moins de plier tes bagages et de quitter sur cette page. Si ça ne te plaît pas. Mais si tu penses que ça te plaise, mais que tu es animé par cet esprit de d'ethno-stratégie, ok, et d'ethno, voilà, reste sur cette page. Parce que c'est comme je te dis, ça va te guérir petit à petit. Ça va te permettre d'ouvrir les yeux et tu vas comprendre la réalité. Je sais qu'il y a des centaines de personnes qui me suivent ici avec des faux noms, des faux comptes, du nom Barry, du nom So. Mais derrière, ce sont les militants du RPG Arc-en-Ciel. Sachez que vous n'êtes pas nos ennemis. Vous êtes simplement... Moi, je ne vous considère même pas comme des adversaires politiques. Je vous considère simplement que vous avez été victime d'un système.
OK? Et vous avez été, vous êtes retrouvé comme ça dans un processus historique, indépendamment de votre volonté propre. C'est que vous avez tellement obéi à vos parents, à leurs paroles, vous les avez tellement obéi que vous-même aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des erreurs. Parce que les parents qui ont vécu les premières heures du RPG Arc-en-Ciel, ces parents-là, ils ont fait des enfants. Ils ont obligé leurs enfants à leur suivre dans ce parti. OK? Et vous connaissez nos parents. Dès que tu dis seulement le contraire de ce qu'eux ils disent, ils commencent à te maudire. OK? Alors, les enfants du RPG aujourd'hui, la plupart des jeunes aujourd'hui, ont eu peur de la malédiction de leurs parents, hein, en leur suivant dans le RPG Arc-en-Ciel. Tout en oubliant que dans la politique, en matière politique, il n'y a pas ça dedans. OK? Il y a des femmes qui ont suivi aveuglément leur mari dans le parti, parce que simplement c'est le mari qui nourrit, c'est le mari qui fait tout. Dès que tu te poses seulement, on divorce avec toi, on te chasse. On dit que tu n'obéis pas à ton mari. Donc, il y a plein de ces personnes pareilles là dans le RPG Arc-en-Ciel qui sont dans ce parti-là, involontairement de leur... c'est-à-dire, ils sont indépendants, c'est-à-dire, ce suivi a été quelque chose d'involontaire, quoi. C'est-à-dire, c'est un processus involontaire. Ils se sont retrouvés là dans ce parti, mais involontairement, soit par obéissance parentale, soit par obéissance maritale, ou soit par simple amour de son ethnie, sans savoir que cela ne nous arrange pas. C'est simplement ça. Et ce sont ces mêmes gens qui sont en train de comprendre aujourd'hui petit à petit. Moi, je vous dis, venez écouter la bonne parole. Ça, c'est la télévision nationale de la République de Guinée. Et ce que vous allez entendre ici, vous n'allez pas entendre nulle part. Nulle part. Vous allez regarder les blogueurs du RPG Arc-en-Ciel. Ils feront jamais de propositions. Ils vont pas vous parler comme ça. On est d'accord. Et moi, je suis pas de l'UFDG. C'est ce qui est marrant pour vous. Quoi que je dise, vous direz toujours que je suis de l'UFDG. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Je ne suis pas de ce parti. Mais je me permets quand même de parler de M. CDD. Parce que c'est un élite, c'est un cadre chevronné qui pourra apporter de belles choses à la République de Guinée. C'est pourquoi je me permets de parler de lui. OK? Alors, qu'on soit d'accord, moi je suis un libre penseur et j'ai des ambitions. Peut-être qu'à la longue, je vais vous dévoiler mes ambitions. Mais ce qui reste sûr, continuons d'abord dans cette bataille afin de débarrasser la Guinée de ce dictateur, OK? Afin de débarrasser la Guinée de toutes ces souillures, OK? De tous ces gens qui sont là à cause du profit et qui font du mal à la République de Guinée. Donc, restons ensemble, restons mobilisés, OK? Afin de gagner le combat, parce que nous allons gagner le combat, nous sommes le peuple. Donc, sur ce, je vous dis à demain, je vous love et vive la continuité du combat. OK? À bas le condéisme, à bas la voyocratie, à bas le despote, n'est-ce pas? À bas la dictature et le dictateur, à bas la volécratie, à bas les intimidations, à bas la terrorisation du peuple. Donc, restons cool.